faire un petit billard, nous, hein. Voilà, oui, oui. Travail. Hein. Est-ce que vous êtes joueur, les amis? Vous aimez le billard? Ah ouais, on adore ça. Et Elena, je crois que tu as rencontré ton mari autour d'une partie de billard. Hein. Décidément, c'est sa fête aujourd'hui. Je sais pas si on peut en parler. Hein, on n'en dira pas plus. Hein. On sent le mec qui bossait. Il y a quand même 15 000 licenciés de billard en France. Hein. C'est pas mal. Combien? 15 000 licenciés. Ouais, c'est pas mal, je trouve. Et bien justement, dans le Nord-Pas-de-Calais, à Bondu, il y a une entreprise qui fabrique des billards d'exception. Alors certains, ce sont de véritables œuvres d'art. On est très loin du vieux billard de bistrot. Regardez. Faire de son billard une table de ping-pong ou encore une table conviviale pour les dîners entre amis, c'est désormais possible. Et vous allez voir, ça a quelques avantages. Le plaisir de manger sur un billard, on est bien, on est à l'aise. Et surtout, vous verrez, ce qui est fabuleux, c'est que tout le monde débarrasse à la fin du repas. Parce qu'inévitablement, si vous voulez jouer, il faut débarrasser. Manger sur une table de billard, il fallait y penser. Et cette entreprise, spécialisée dans leur fabrication depuis plus d'un siècle, l'a fait. 7000 euros, voilà ce qu'il faudra débourser pour une table transformable en billard. C'est cher, mais c'est le prix du rêve, car ici, tout est possible, que ce soit en termes de matière... Là, c'est très étonnant, c'est un billard qui est gagné en cuir. De couleur... On aime, on n'aime pas, c'est par exemple le tapis jaune. Ou encore de style. Si on essaye de mélanger le vintage et le moderne, eh ben, après, ce sont les goûts, les couleurs. Voilà ce qui peut se faire. Donc, on mélange les styles. Ici, vous l'aurez compris, c'est le temple de l'originalité. Fini le billard classique encombrant, toutes les folies sont possibles. On fait du sur-mesure et on innove comme avec ce petit bijou de technologie grâce auquel vous pouvez jouer tout en écoutant votre musique préférée. En fait, sur ce genre de billard, par Bluetooth, on intègre la musique à l'intérieur. Si le client veut pouvoir téléphoner en jouant, même principe, il a son Bluetooth intégré, il a la lumière intégrée, tout est intégré. Ce petit bijou à 23 000 euros, l'entreprise en vend un par semaine, principalement aux États-Unis. Toutes ces créations sont fabriquées sur place, dans l'usine, et conçues par Guillaume, le designer, et Franck, l'ingénieur. Et à eux trois, ils ont réalisé des projets tous plus insolites les uns que les autres. Mais leur création la plus extravagante, c'est cette vraie voiture transformée en billard. Dans un projet comme celui-là, on a acheté une voiture qui coûte à peu près 5 000 euros. Une fois qu'on a fait ça, en ayant coupé le toit, on enlève le pare-brise. Inévitablement, on n'en a plus besoin. On a déshaussé les sièges. Une fois que le moteur était enlevé, d'intégrer la complexité inévitablement d'un billard, d'intégrer l'ardoise. 4 mois de travail ont été nécessaires pour réaliser le rêve de ce client. Un savoir-faire qui a un prix, 35 000 euros, et qui dépasse les frontières du département du Nord. Prochaine destination de ces billards, pas tout à fait comme les autres, l'Espagne ou encore Miami. Et ça n'est que du sur-mesure. Alors, il y a Christophe qui est en train de montrer à Elena comment est-ce qu'on tient la queue, voilà, pour pouvoir réussir à jouer au billard. Il y a deux écoles. Ah, moi, je ne sais pas. Il faut être très laxe derrière. Il ne faut pas s'accrocher à la queue. Il faut être assez laxe. Ouais, effectivement, ouais. Ou on fait comme ça, ou on peut faire comme ça. Moi, j'aime bien comme ça sur l'angle du pouce et de l'index. Moi, ouais. J'adore surtout la beauté de cette queue. Regardez comme c'est magnifique. Ah, bah, le travail. Très, très non, mais rien n'est laissé au hasard. Pareil pour les boules qui sont juste à côté de nous. C'est de la belle ouvrage. Et alors, le billard connecté. Ça, je ne connaissais pas. Je trouve ça génial. Qu'est-ce que vous avez vu dans le reportage, le billard connecté. Ah oui, d'accord. Et ben, c'est le dernier en date qu'ils sont en train d'exporter. C'est vraiment une très, très, très belle entreprise. Mais de toute façon, dans le Nord, on aime jouer. N'est-ce pas, Annie? Ah oui, oui, tout à fait. Enfin bon, moi, le billard, je connais moins. Mon père adorait jouer au billard. Mais on peut trouver encore des jeux très anciens dans les estaminets. Vous savez, les cabarets, estaminets, oui, les cafés de village. Cafés, restaurants très typiques avec les houblons qui est en haut, voilà, et qui éloignent les mauvais esprits. Et il y a des jeux très anciens et souvent donc dans une salle à part. Et les gens reviennent jouer comme il y a, j'allais dire, des siècles où les colporteurs rencontraient les gens, les paysans, et puis ils allaient discuter du dernier qu'ils allaient embaucher. Le café était vraiment un lieu de vie quoi, dans ces villages, hein, où on se rencontrait, puisqu'il y a toujours ce côté très liant des gens ici dans la région qui ont envie d'être ensemble. Hein. Totalement. Hein, quand les conditions sont difficiles de vie et que le climat ne s'y met pas toujours, là on a beaucoup de chance évidemment aujourd'hui, on aime bien se regrouper, se réunir hein, et se réchauffer. Une petite question moi, pour Nathalie, je voulais savoir, parce que je suis impressionné par ce billard automobile, est-ce qu'il se déplace? Est-ce qu'on peut le conduire, ce billard, ou pas? Non, je crois pas. Ah, il reste tout net sur place, d'accord, ok. Non, je pense qu'à l'intérieur, ça n'est que du rangement. Mais c'est vrai qu'ils sont capables de réaliser même les demandes les plus farfelues.
Incroyable. Ah ouais. Ah ouais. Et ça coûte très cher, bien évidemment. Vous avez vu les prix. Mais il faut savoir que ça se garde sur des générations. Et un billard, ça peut être un magnifique objet de décoration. Même après, on peut le transformer peut-être avec en table. Enfin, c'est vraiment un bel objet. Mais là où ils ont été forts, c'est justement de décliner ce billard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils exportent quasiment toute leur production dans le monde entier. Donc, ce sont, là encore, de véritables ambassadeurs du Made in France. Voilà. Bravo. Les ambassadeurs du Made in France.